tous. Tout d'abord, merci à vous. La chaîne a enregistré plus de 800 nouveaux abonnés en moins d'un mois. C'est super et je vous en remercie du fond du cœur. Mais sur les 7 à 8000 vues quotidiennes faites sur la chaîne, il y en a encore plus de 98% qui sont faites par des non-abonnés. Alors abonnez-vous les gars, c'est gratuit et puis moi ça va m'ouvrir davantage de portes afin de vous proposer du contenu toujours plus intéressant et qualitatif. Donc, mes 5 chaînes auto préférées. Alors, pour tout vous dire, je suis plutôt porté sur des chaînes de musique, de matos vidéo, ou comme j'aime bien faire la cuisine avec de bons outils, sur des chaînes comme Fan de couteau, par exemple. Il y a quand même des chaînes auto qui m'intéressent. N'étant pas trop porté sur le vlogging, où à mon avis on voit toujours un petit peu la même chose, je ne vous en parlerai donc pas dans cette vidéo-là. En 5e position, je placerai un Français de La Réunion, vous savez qu'ils sont fans de voitures là-bas, qui a fait une magnifique restauration sur une Lamborghini Countach. La voiture est magnifique et le son est exceptionnel. La chaîne s'appelle Yves Réunion. Je vous mets le lien dans le descriptif, comme pour les autres chaînes d'ailleurs. Position Ratarossa. Alors ce gars, c'est un fou de Ferrari. Il les achète dans l'état dans lequel elles sont et ensuite il les refait dans son garage. Donc tu passes dans la rue devant sa maison d'américain moyen et tu vois garé comme ça, juste devant la porte du garage, 4 ou 5 Ferrari. Voilà, le gars il se prend pas la tête, il ne se prend pas pour une star, il partage juste sa passion pour la marque et ses restaurations avec nous. This car many times to rectify issues. I've never been more nervous than this time. Okay, confidence is high then. En troisième position, je mettrai une chaîne qui est de plus en plus connue, y compris en France, celle de Michael Blaquet, qui a plus d'1 million d'abonnés et qui s'appelle Producteur Michael. Alors c'est un multimillionnaire anglais qui vit à Los Angeles et nous montre dans ses vidéos des demeures de rêve, des montres, des bijoux, des voitures d'exception, surtout des Ferrari et des Rolls-Royce, le tout avec de l'humour et pas mal d'autodérision. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne, elle en vaut vraiment le coup. Hello. Hi. How are you? Fancy seeing you here. What a surprise. Ooh, look, somebody did Uh-oh. A whoopsie on the glass. This is nice. This is nice. GT3 RS, correct? No, this is just a GT3. What have you got there? This is my new toy. I'm very proud of it. Very, very, very proud of it. This is the Platinum Astronomia Sky, Jacob Astronomia Sky. Can we just do something before we leave? Please. So, exhaust, loud. Yes. Suspension, sport. PDK gearbox, sport. Sounds great. Sounds like a cup car. Meow, meow. En seconde position, ah ah, ça devient sérieux là, ils ont quand même 2 300 000 abonnés, Goon Squad. Alors eux, ce sont deux jeunes qui sont frères, je pense, si vous avez l'info, mettez-la moi dans les commentaires, qui récupèrent des voitures accidentées.
Alors eux, c'est tout type de véhicule. Ça peut être de la Ferrari, de la Lamborghini, des 4x4, tout ça. Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent réparer. Ils les refont ensuite et soit ils les revendent, soit ils les gardent. Le tout avec l'impertinence et le côté sûr de soi de la jeunesse. Good, good. You're ready? Yes, sir, we're ready. 800, 700 horsepower mode right now. What is up, guys? Welcome back to the channel. Cut a bunch of wires off, maybe even, and both of our roof airbags are blown, the actual headliner. Première position, roulement de tambour, il a un peu plus d'1 100 000 abonnés, il anime un show télé aux USA sur automobile, il s'appelle Tyler Hoover et sa chaîne s'appelle Hoovy Garage. Alors lui, je ne rate aucune de ses vidéos qui se laissent regarder avec un grand plaisir du début à la fin. Il achète des voitures à tout petit prix pour leur catégorie, qu'il fait ensuite restaurer chez son garagiste, qui est lui aussi d'ailleurs un personnage assez épique. Really difficult, so I have to put my leg under the steering wheel, which does not adjust, and I'm in. As you can see, my head is completely tilted. All right, here we go. All the snow has melted, mercifully. So there's conflicting opinions. Yeah. Sounds like Yes, this is my 66. GT350 Tribute, and it is manual everything. Manual transmission, manual brakes, and yes, my Beck Spider that's getting a Subaru 2.5 engine put in it, and it looks, boy, it looks very, very in Wizard. It's amazing how well this thing drives after sitting for a year. Voilà, je vous ai présenté mes 5 chaînes YouTube auto préférées parmi celles que je connais. Mettez-moi dans les commentaires les 2 ou 3 que vous préférez. Comme ça, j'irai jeter un petit coup d'œil. Ça permet parfois de découvrir certaines pépites. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bonjour chez vous.